Le bonnet, c'est dehors. Valérie Cum, proviseur adjointe, en stage au lycée Noël Collard de Saint-Quentin. La casquette aussi, d'ailleurs. Passionnée de politique depuis longtemps, Valérie Cum est élue pour la première fois en 2004 et fait son entrée au conseil régional de Picardie. Elle rempile en 2010 et devient vice-présidente en charge des lycées. Dans le même temps, elle est élue maire de la ville de Péronne. Sa vie d'alors, c'est la politique. Un travail à plein temps qui l'épanouit et occupe son existence 24 heures sur 24. Ça m'a énormément enrichi. Vraiment, c'est ce que j'ai vraiment eu de la chance. De pouvoir agrandir mes compétences sur certains domaines. J'ai rencontré de belles personnes, vraiment, qui m'ont apporté beaucoup. Voilà, j'ai résumé. Ça m'a enrichi. Son désir de politique vient de loin, avec un mentor familial, son oncle, Louis Mexando, ancien ministre des PTT dont elle fut l'assistante parlementaire. Puis elle est remarquée par Vincent Payon, alors député de la Somme, qui l'encourage à persévérer. Elle s'installe donc à Péronne et brigue la mairie qu'elle remporte en 2008. J'ai senti quand même les Péronnais m'appeler, me dire leur ras-le-bol de la politique qui était menée depuis 19 ans. Et je crois que c'est ce qui m'a emmenée justement vers cette victoire. Mais en mars 2014, alors qu'elle est candidate à sa propre succession, Valérie Cum est battue d'un cheveu aux élections municipales.